Hey hey hey, bienvenue sur Max Gaming, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, et bien faites-le dès maintenant, activez la cloche également pour recevoir toutes les notifications. On se retrouve aujourd'hui avec Super Mario Odyssey, nous sommes actuellement sur la Lune, on s'approche de la fin du jeu, et eh bien on explore un petit peu la Lune. Je vois qu'il y a plein de cratères, et tiens, ce cratère-là m'intrigue un peu puisqu'il y a une pierre au milieu du cratère, mais... Non, ça ne fait rien. Bon, alors on va explorer un petit peu la Lune avant d'aller à l'église, bien sûr. Hein, j'aime bien explorer les petits mondes avant de faire la quête principale. Oui. Oui. Hop là. Voilà. Nous avons déjà 6 pièces spéciales sur 50. C'est quoi ça, ces petits débris là? Mais c'est un cube, c'est les cubes qu'on voit dans tous les mondes. Oh! Il y a un petit épouvantail. Hop. Ah vite. Oui. 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 Pays de la lune à tes tic-tac. Hop là. J'ai eu le temps en plus de me sauver. Qu'est-ce que c'est que ces créatures? À mon avis, on peut pas les... Ah. On peut pas les battre, hein. On peut juste les éviter. Là, y a rien. Continuons. Par là. J'ai pas pris assez d'élan. Oui. Encore une pierre dans un cratère. Comme c'est intriguant. Ah, 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 ah. Cette pierre brille de façon étrange. Ouh là 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 là. Faut pas la faire tomber, surtout. Non, 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 non. Allez. Ah non! Non! Oh oh. Lune! Pouf. Alors, est-ce qu'elle va le revenir? Elle va revenir, la lune? Là, le petit caillou, là? C'est celui-là? Oui, c'est celui-là. Mais il y a lui qui m'embête! C'est quoi, ce poulpe-là? Je sais qu'il faut lui bondir dessus. C'est comme le poulpe qu'il y avait sur la planète de la plage, là. Alors, attendez. Hop là, on va là. Bim. Et... Bim. Voilà. Tu me laisses tranquille. Merci. J'ai une lune à récupérer dans la pierre, si ça ne te dérange point. Ah. Ils ont fait exprès. C'est très dur. Oh. Oui. Hop. C'est fait. Pif caillou sur la lune. D'accord. Ok. Oh là là, il y a un monde en 2D. Oh, moi, je veux faire le monde en 2D. Excusez-moi. Ah. Non, il est tombé. Ah, c'est pas grave. Au revoir, Mario. Salut, à bientôt. Bah, remarquez, il retombe sur la terre. Et tout simplement... Allez, hop. Eh bien, ça tombe bien. Hein? On est léger? Oui, il vient de comprendre qu'on était sur la Lune. Ça tombe bien, puisque je voulais aller là. Donc, en fait, j'ai gagné du temps. Bah, vous voyez, hein, il n'y a jamais de trucs négatifs dans la vie. Hop! Est-ce qu'il va être léger? Oui. Wouhou! Je vais prendre toutes les pièces. Oui! 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 Contre la falaise. Comment je fais? Faut absolument que je reprenne l'autre chemin. Ah. Il y avait des petites pièces magiques. J'imagine que là-bas, il n'y a rien. Hop là. Voilà. Mais monte, Mario. Mario. Merci. Hop. Tloukou, tloukou, tloukou. Et... Zoup. Allez, on avance. Je passe beaucoup trop de temps à explorer ces mondes, mais vous voyez... Aïe. Pff. Pardon, Mario. Je sais, ça fait mal, mais écoute, hein, c'est comme ça. Oh, est-ce que j'ai déjà vu ce qu'il y avait là-dedans? Oui, je crois que oui. Et il n'y avait rien de spécial, hein, c'est juste... C'est quoi ce carré, là? Il y a un carré sur la falaise, vous voyez? Bizarre. C'est peut-être juste une texture, mais moi, ça m'intrigue. Ok, ça servait à rien, mais on l'a fait quand même.
Attendez. Il y a ma manette qui a vibré là. Il y a un truc là-dedans. Bof, il y avait des pièces. Je les prends quand même, hein, ma foi, ça fait plaisir. On y va. J'essaie de sentir ma manette. Voir si ça vibre pas ailleurs. Oh, là, il y a des pièces. Je veux des pièces. Ou oh, attendez. Avant de tenter ça et de tomber dans le vide, je vais activer ce petit checkpoint. Hop, comme ça, si je tombe, je recommence de là. Merci, hein. Voilà, voilà. Allez, on va essayer de récupérer les pièces qui sont là. Oui, c'est bon. Non, Mario, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est ça. On se calme. Oui. Et voilà. Alors, nous sommes ici. Deuxième partie du monde. Je vois des petites fleurs qui nous font aller super rapidement. Pourquoi aurait-on besoin de ces fleurs-là? Pour l'instant, je ne vois pas la raison. Ouh, un petit cœur qui sert à rien. Mais je le prends quand même, merci. Est-ce que je peux aller en haut? J'ai envie d'aller en haut. Parce que je vois un ennemi. Un ennemi, ça veut dire qu'il cache quelque chose. Il cache un cube. D'accord. Je fais tous les cailloux parce que peut-être il y en a un qui va cacher quelque chose. Et bim! Allez hop! Ennemi vaincu, je récupère ces petites pièces. Des rochers comme ça, on en a vu avant d'arriver sur la lune. Oui, dans tous les mondes. Dans chaque monde, il y avait... Ah ah! Il y a une petite note de musique. Oui! Ok. Premier coup, c'est magique et fantastique. Hop. Pipiou. Course en note sur le sol lunaire. Tac. Et je bim. Ah, pourquoi ce caillou ne veut pas? Oula. Ah ah. Il cachait plus de pièces que les autres, ce petit coquineux. Donc visiblement, là, il n'y a rien. Je ne comprends toujours pas pourquoi il y a les fleurs qui font aller super rapidement. Ah, pour voler par là-bas. D'accord. Bah, remarquez, on peut passer par là. Mais, ok. Mais d'abord, j'aimerais aller là-bas. Donc... Oui. Voilà pourquoi. Hop là, merci. Dans le coffre de la falaise. Oula, j'ai bien fait de tourner la caméra. On allait oublier ces petites pièces toutes seules ici. Aïe. Wouhou. Ok. Eh bien, on va faire la même chose. Alors, est-ce que ça fait quelque chose? Cette fois, si je regarde... Ça... Ne regarde pas le soleil, tu vas te brûler les yeux. Ok. Et si je regarde la Terre? Non. Ça... Non. Ça fait rien! Je sais qu'il y a un endroit où, quand on regarde, ça fait quelque chose. Mais là, pour l'instant, elle ne voit rien. Ok. Alors, on pourrait rentrer là-dedans. Déjà, le checkpoint. Le mur du silence. Mais d'abord, je vais me débarrasser de cet ennemi. Voilà. Et... Ah, j'ai raté. Bim. Voilà. Ok. Tic, tic.
tic, tic, tic. Par là. Ouh, un sphinx. Qu'est-ce qu'il fait là? Ça brille pas? Non, ça veut dire que c'est des pièces. On va aller parler au sphinx. Bonjour, il a une énigme pour nous. Salutations, voyageurs. À toi et au couvre-chef qui t'accompagne. As-tu des réponses? Car j'ai des questions. Est-ce que c'est vraiment le moment pour toi de m'assommer avec tes réponses? Est-ce vraiment le moment pour toi de m'assommer avec tes réponses? Est-ce vraiment... Oh! Non. Exactement. D'accord. Il veut pas... il veut pas jouer avec moi. Pour mon avis, on y a accès quand on a terminé le jeu. Donc, on va aller dans la grotte. Ce trou ne me dit rien qui va. Et bah, c'est justement pour ça qu'on y va. Hop là! Il est tombé? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh oh! C'est ça la grotte lunaire? Vous allez pas me faire croire qu'il y a un volcan dans la lune! Ah oui, là c'est l'inverse! On est plus lourd, on tombe beaucoup plus rapidement! Ouh là 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 là, faut faire attention! Hein. C'est quoi ces petits? Je peux les incarner? Oui! Et je peux voler! Je peux voler! Je vole! Ok, ce qui est bien pratique puisqu'il y a de la lave partout. Donc, on va voler au-dessus de la lave. En toute tranquillade. Hop, j'imagine qu'il doit y avoir des trucs cachés un peu partout. Donc, on va aller voir ça. Ah! Ils me suivent! Au secours! Je vole! J'ai envie d'aller là-bas. Parce que regardez. Il y a un petit renfoncement, mais il n'y a strictement rien. Ah! Ah! Ah d'accord, faut pas toucher les murs. Ok! D'accord, c'est bien osé. Ok, ok. Bon, bah maintenant je le saurai. Hein. Hop. Je pense que je vais perdre pas mal de vie hein, dans ce monde, parce qu'il a l'air un petit peu coriace. Ok, on incarne un petit bonhomme. Je vais plutôt regarder avec ma caméra. Avec le bouton A, ça marche aussi. Tac, tac. Ok, par là, je fais le tour vite fait. Par là, y a rien. Je vais prendre ça. Je peux incarner un tank aussi, hein. Ah, mais il peut pas grimper? Ah, si, quand même. Alors attendez, j'aimerais bien que tu détruises ça. Ah mais non, mais pas moi. Bon, marqué, il n'y avait rien, donc... Continuons. Je passe par là. Ah, il y a un... Alors attendez. Les tanks, si vous pouviez tirer là-dessus... Non mais ils sont sérieux. Allez le tank, tire là-dessus. Yes! Et hop là! Wouhou! C'était pas évident, mais je l'ai eu. Allez le tank, tire là-dessus. Mais pourquoi il y a ces clés là? J'ai pas trouvé de clés moi. Attendez, il y a des petites pièces violettes. Voilà. Il y a une clé quelque part. Mais non, mais parce qu'il y a une serrure. Alors. Oh, mais attendez, on peut voler par là-bas. Comment on fait pour aller en haut? Oh! Comment on fait pour accéder là? Ces pièces là-haut. Et là-haut. Et là. Oh là 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 là! Mais il y a trop de choses! Aïe, 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 aïe. Oula, je ne suis plus invincible. Je ne suis plus un ennemi, maintenant ça y est, hop hop hop, on y va. Hop, on y va, tant pis pour la serrure, hein. Je ne sais pas. Je ne sais pas où c'est. Ah, je prends volontiers et bim. Ok.
Je crois que je vais devoir incarner un de ces petits bonhommes. Allez hop! Toi, t'arrêtes de m'embêter. Hop, 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 hop. Voilà. Oui. Mais hop, je vais devoir incarner ça. Ah. Mais excusez-moi, je ne parle pas beaucoup, mais je me concentre parce que là... Ouh ! Il faut de la coordination, hein. Ah, ah, i, ah ! Voilà. Je peux pas sauter avec la chenille. Bonjour. Maman ! Ouh ! Oui ! Ok. Ah. Hop. Mais à mon avis, il y a beaucoup de choses que j'ai ratées. Comme ces petites pièces. Et il y a une lune là-bas. Ah non, je vais chercher la lune. Hein. Par là-bas. Tout droit. Allez, tiens le coup là. Non. Non. Aïe. Non. Ouh. Ah! Mais oui, mais... Ah! 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 Bon. Il est tombé! Je ne pouvais pas y arriver. Mais, je ne laisserai pas la lune. Je ne la laisserai pas. Non, jamais. Alors, le tout est de savoir où elle est. Je crois qu'elle est là. Oui! Hop là! Derrière le mur de protection! Bon, bah maintenant je dois incarner. Ok, alors est-ce que lui peut passer par là? Non! Ah! Ah! Bon, c'est pas grave, au moins j'ai la lune, maintenant je peux continuer l'aventure! C'est pas facile, je m'attendais. J'avais complètement oublié qu'il y avait ce niveau-là. Mais j'aime le challenge! Allez hop, on y va! Ouh, on va passer par là, merci! Non! Ah! Non! Salut Mario! Voilà! C'est pas grave! On recommence. On perd que 5 pièces à chaque fois. Avant que j'épuise mes 5608 pièces, on perd 5 ou 10. 10 peut-être. Bref. Je pense que ça devrait aller. Allez, faut bien viser. Yes. Oui. Hop là. C'est bon. Alors lui... Ok, d'accord, il y a un temps, d'accord, il y a un temps réglementaire, oui. Bon, on va recommencer, c'est pas grave. Oh non. Bon, remarquez, maintenant je vais tout droit. Oui. Poussez-vous. Ah non, j'ai touché. Je ne... Alors ça c'était bête. Alors ça c'était bête. Oh là 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 là. Allez.
Ok. Allez, viens, toi. Non! 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 Bon, super, je dois recommencer. Tout ça parce que je voulais récupérer les petites pièces vertes, roses, violettes. Allez, cette fois, c'est la bonne. J'irai tout droit. J'ai récupéré tout ce que je voulais. Ok, salut! Plus vite que ça! Wouh! Oh, je peux accélérer davantage. Wouh! Allez, allez, allez! Va encore plus vite! Encore plus vite! Encore plus vite! Merci! Tac, tac, toi, bim! Ok, on y va, viens là. Je me mets dans l'axe. Je fonce. Tac. Et voilà! Hop! Hop! On regarde par là s'il n'y a rien. Et on y va. Youpi! Dites-moi qu'il y a un checkpoint. Pas de checkpoint. Bon écoutez, on va quand même s'arrêter là pour aujourd'hui. On reprendra de là où on est hein, la prochaine fois. Alors bien sûr, n'oubliez pas de laisser un max de pouces bleus à cette vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. D'ici la prochaine, portez-vous bien. Plein de gros bisous. Bye!